Ce mercredi 12 juillet sur France 3, les commentateurs du Tour de France 2023 ont eu la chance d'accueillir un invité surprise. Le fils de Marion Rousse et Julien Alaphilippe, Nino, a fait sa première apparition en direct à la télévision et il est adorable. C'était la surprise du jour sur France 3, le fils de Marion Rousse et Julien Alaphilippe était présent en direct lors de l'émission dédiée au Tour de France 2023. Pour sa première apparition à la télévision, Nino était adorable. Le présentateur Laurent Luya a commencé l'émission en annonçant la présence d'un invité très spécial. Nous avons notre équipe au complet, plus un invité d'honneur dans cette émission, si est Nino. Dans les bras de sa maman, le petit garçon de 2 ans était souriant aux côtés des commentateurs de la 11e étape de la compétition. Marion Rousse a précisé qu'il s'agissait de la première apparition à la télévision de son fils et qu'il était visiblement à l'aise et pas timide du tout devant la caméra. Laurent Luya en a profité pour demander à Marion Rousse la réaction de Nino en voyant ses parents à la télévision. Elle a répondu, « Quand il nous voit, que ce soit moi ou son papa, il crie devant la télévision, il est tout simplement content. » L'ex-championne de France a ensuite fièrement partagé cet événement avec ses fans en story Instagram. On parie que ce ne sera pas sa dernière fois sur un plateau télé. Nino, fan numéro 1 de son papa sur Instagram, Marion Rousse a récemment partagé des photos de son fils Nino avec son papa Julien Alaphilippe. Quand il retrouve son père, le petit blond n'hésite pas à monter sur le guidon de son vélo et à sauter dans ses bras. Le cycliste français peut compter sur sa famille pour l'encourager alors qu'il traverse une passe difficile lors de ce Tour de France 2023. Ce n'est pas la première fois que la consultante de France Télévisions partage les coulisses de sa vie privée, elle publie régulièrement des souvenirs avec son compagnon et son fils sur les réseaux sociaux comme leur virée à la plage il y a quelques mois. Marion Rousse et Julien Alaphilippe, une affaire qui dure depuis 2020, Marion Rousse partage la vie de l'ex-champion du monde de cyclisme Julien Alaphilippe. Elle donne naissance à leur premier enfant, Nino, en juin 2021. Elle déclare régulièrement sa flamme à son partenaire sur les réseaux sociaux et se montre toujours très amoureuse. Avant cette relation, elle était mariée au coureur Tony Galopin pendant 12 ans. Ils s'estent d'ailleurs confiés sur leur rupture difficile au magazine L'Équipe et a avoué qu'il ne regrettait pas son mariage avec son ex-femme.